Eh bien, salut tout le monde, c'est Mimi974 pour le 14e épisode de Tales of Auxilia. Donc là, cette fois-ci, le son devrait être meilleur que... que le dernier épisode. Pourquoi ? Bah tout simplement, en fait, mon micro s'était mal branché, c'était branché sur mon micro de cam. Donc soit je vous l'ai fait en post-commentary, je vais voir, ou soit je vais vous mettre le micro, je verrai selon la qualité du micro. Mais normalement je pense que je vais plutôt vous le faire en post-commentary, la qualité sera beaucoup plus belle. Je sais pas, vu que j'ai pour le moment un épisode d'avance sur vous, pour la simple bonne raison que je l'expliquerai dans le recours beaucoup de toute façon, qui devrait pas tarder à arriver. Normalement elle aurait dû arriver avant cet épisode là, je vous l'expliquerai pour des raisons un peu plus tard. Pour quelles raisons? Pardon, je me répète. Donc, de toute façon tout sera dit dans la vidéo de recours beaucoup. Donc voilà. Donc écoutez, aujourd'hui on va trouver Alvin. Donc apparemment il est parti se diriger peut-être vers sa maman, vu que la nourriture a été empoisonnée, si on se souvient bien. La nourriture a été empoisonnée, donc du coup bah on va se diriger. Alors je crois que, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ici, ou à moins que c'était... Ah non, c'est plus là-bas je dirais, voilà. D'après mes souvenirs, la mère d'Alvin se trouve là-bas, c'est des vieux souvenirs d'ailleurs. Parce que moi ce passage là je l'ai fait il y a très 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 longtemps. Pour vous dire, ça fait 2 ans que j'ai fait ce passage là. Il y a 2 ans que j'ai commencé ce passage là, donc ça remonte hein. J'ai encore des souvenirs, mais il y a des passages dans le jeu qui m'ont marqué plus que d'autres. Donc je crois que c'est ici si j'ai pas de bêtises. Ah non. Ah c'est pas ici. Ah bon bah je me suis trompé alors. C'est de l'autre côté alors. Bon bah. J'ai des mauvais souvenirs alors, j'ai une mémoire de poisson rouge. Non, en plus c'est vrai, j'ai une mémoire pas terrible, je vous dis franchement. On me dit un truc, je l'oublie le lendemain, c'est dingue. C'est ouf. Ah, et là je suis content, j'ai pu régler le souci du micro. À mon avis, je vous ferai vraiment l'autre vidéo, je le ferai en post-commentary, ce sera pas pareil, mais bon. Ce sera toujours ça de prix. Non, là c'est les Wyvern. C'est les Wyvern, donc c'est l'autre côté encore. On va y arriver à trouver le chemin. Je crois qu'ici il y a un bateau qui mène à une zone d'XP, ou à moins je confonds avec dans un autre jeu. Attendez, je vais voir. Oui, ici il y a un bateau qui nous ramène à une zone où on peut aller battre des monstres, je crois. Je suis allé une fois voir ce que c'était, ce qu'il y avait exactement, et je crois qu'il y avait une zone pour XP, mais. Where did you come from? Is this your house? Mom's, actually. Look, I'm sorry I darted off like that. I was just about to head back to the inn. Aren't we frisky today? Tell me what you know about Exodus. Exodus? That's some new music group? I heard you talking with Derek that night in La Ronde. You were faking it? That's cheating, you know. You're not one to talk. Answer the question. Are you a member of Exodus? Give me a break. I hate those jerks as much as you do. They've blackmailed me into working for them. I want out, but I'm stuck. Because of your mother. You believe me? Well, to paraphrase Tipo, you are a big fat liar. Well, the Spud's got that right. No point in roughing me up for answers, because you can't trust anything I say. Hey, where you going? To search for the Exodus agents. Mind if I tag along? You know, in case you feel frisky again. Do whatever you want. Okay, donc il nous a rejoint. Attendez, je crois qu'on peut entrer. Ouais, on peut rentrer. Je crois que on peut pas faire interruption chez quelqu'un comme ça. D'accord. Bon. On sait jamais, on peut tenter. Non, je voulais rentrer chez sa maman, mais bon, évidemment, on peut pas. Trouver Xeodius. Ouh là 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 là. Alors là, je m'en souviens plus du tout de ce passage. Oui, ça record. Je vais vérifier que ça record. Je m'en souviens plus. Alors, je vais peut-être descendre à bateau. Oh, c'est quoi ça? Ah, d'accord. On sait pouvoir annoncer le tournoi. Alors, peut-être c'est pas ici. Alors c'est peut-être là le souvenir que j'ai. C'est peut-être ici.
Ah non, on peut pas. On peut pas, on peut pas. Ouh là, bah, ce passage, je m'en souviens plus du tout. Pour vous dire honnêtement. Bon, je vais aller voir un peu partout, de toute façon. Trouver Xeodus. C'est... ça c'est étrange. Ouais, Xeodus, c'est une sorte de... ce guide de méchant, bah tiens. Mila! Hey there. Where have you been? We were worried sick. Sorry about that. You too, Alvin. Next time you storm off, tell us where you're going first. Simmer down, kid. Besides, looks like Elise wants to say something. I think that Isla might know something about me. Why do you say that? She took a long look at Elise and went pale as a ghost. She dashed off like she was all scared of us and stuff. I see. If we spot Isla, we won't let her get away this time. We'll ask her what she knows, okay? Okay. Hey, shouldn't you folks be hightailing it to the arena? The tournament's gonna start up soon. Hey, we can't be late for our own tournament! We'll be disqualified if we don't make it back in time. Is that really so bad? Weren't you thinking of forfeiting? A wise woman once told me that hesitation is a common human failing. We must keep moving forward, even when the path is uncertain. Ah, I suppose so. Thank you. How did you know we were tournament fighters? Hmm? Why else would you be here? Outsiders are either combatants or spectators when it's tournament time. That's just common sense around here. Why'd you ask them that? Sorry, something just clicked in my head. Let's head to the arena. Ah, ce niveau est bon, mon dieu. Qu'est-ce qu'il est beau. Ouais, la charrette, comment elle a pop-up devant moi. Pouf, ça m'a fait peur. Ah, c'est la peste, trop, faut pas trop demander pour les décors. Mais c'est vrai qu'il y a eu un beau déclic quand même. Puis on a des fans, apparemment. On a des fans. Hop, on va aller au tournoi. Du coup, oui, on avait un tournoi à finir et ils ont pas arrêté le tournoi, même si les joueurs étaient empoisonnés. We heard the bell. What's going on? Oh, thank the spirits you came. The tournament committee suddenly voted to hold the finals. And they've decided to revert to the late king's rules. The late king's rules? You don't mean... I'm afraid I do. A fight to the death. I didn't mention it before, but the old rules also mandate that fights be one-on-one. What'll we do? Huh. Well, we still need those wyverns, so forfeiting is not an option. But this is still very peculiar. Why would they revert to an older set of rules? Wake up and smell the poison coffee, kids. It's pretty obvious this is a plot by Exodus. The people trying to snuff you out. Are you sure? Hold on! How do you know about those meanies? Is it okay for you to say this? My way of thanking you. What are you talking about? Alvin is working for Exodus. What? You're kidding me, right? I wish I was. They've been having me do odd jobs for them. Don't tell me the poison was... That wasn't me. I almost choked down some of that stuff too, you know. I don't know who was behind it either. I worked for him, sure, but it was always small fry stuff. Just tell me one thing. Can you promise us you'll never work for them again? Yes. You have my word. Good. Were you privy to Exodus's plans? Yeah. I mean, I heard some things. They hope to change the rules for the finals. And use it to kill Mila. Even if you win, they have a backup plan. They figure you'll be worn out. Easy pickings for their snipers in the cheap seats. How dare they stain our proud tournament with their foul tricks? This is an outrage! Their plan is a house of cards. If any one of you fights as a champion in my stead, the whole thing collapses. Oh, good thinking.
Still, I'll take their bait. Anything to drag them out of hiding. Are you nuts? Why? It is far too dangerous. I cannot allow you to risk your life just to bait Exodus into the open. Yeah, it's not worth it. Mila's gonna die! It looks like Jude agrees with me, at least. You want us to take care of the Exodus agents in the stands? That's your plan, right? Exactly. Are you serious? Normally, we have no way of knowing when Exodus will strike. But now we have a time and a place. It's a logical plan. If we don't strike now, they'll slip away and find time to prepare a new plan. There's no guaranteeing that one won't be even more devastating. You're really going to enter? The pride of your clan is on the line, isn't it? We both get what we want. You really are something. Very well. So we're left with no choice but to ensure that everything goes right. Your strategy must succeed. Correct. Let's go. Mila, let's give Exodus a taste of their own poison. Agreed. En fait, ils vont juste prendre Exodus à leur propre jeu. Donc en cette fois-ci, on va se regarder, parce que j'ai pas envie de me retaper tout le cinématique, hein, je vous dis honnêtement. ça plombe le truc. De toute façon, au pire, je ferai une ellipse s'il y a besoin ou autre. C'est pas le souci. Attendez, j'ai bien sauvegardé sur la bonne partie. Oui. J'ai eu peur. Oui. J'ai eu peur de ne pas avoir mis sur la bonne sauvegarde. Bah oui, qu'on est prêt. Bah oui. Allez, c'est parti pour gagner ce tournoi. First up in the ring, the Guitar Clan Champion. Tragedy nearly put an early end to the tournament yesterday. But Core has prevailed with the tournament committee, so today the finals will go on. To ensure that everything will be conducted fairly, we will fall back on precedent and use the Late King's rules. Because that makes a lot of sense. Power, could it be? A Spyrex! I can hear the spirit's cries. We're too late again. No! Stop! Give him back! No! Stop it! Let me go! Give up the doll, sweetheart! Leia. Someone kidnapped Tipo! Elise just went after them! Hey! What happened to just one-on-one? Alvin! They weren't after you! Their target must have been Tipo all along. There weren't any snipers in the stands either. I didn't know, I swear! Then it's up to you to save her. What? Do you mean you're testing my loyalty? I'm counting on you to do this. Just my rotten luck. Don't blame me if it goes south. Is he going to help Mila? Perhaps there are no snipers in the stands after all. Let's go then! Huh? Just Leia? Exodus captured Tipo. Elise and Alvin went after them. Good heavens! Here we go! Ok, l'équipe est au complet. J'ai oublié de faire les orbes de Leia sur caméra, bah tant pis. On va faire quand même avec. On va les massacrer. C'est parti. Normalement, ça devrait pas te poser de problème. Formidable.
Ouais. En plus, on guérit quand on fait cette attaque là, donc du coup, ça fait que ça devrait pas poser de soucis. Non, non, pas cette attaque là, mais elle redescend. Bon, ça va, on les massacre à peine. Bon, voilà, on les a massacrés, en même temps on a monté de niveau. What? Putain. On a eu un bonus ou quoi? Ah ouais, regardez, on a un plus XP, parce qu'on était super motivés sûrement. Mais c'est classe. C'est classe. Any idea where Alvin and Elise ran off to? I sent members of the clan after them, but I've yet to hear back. Let's go look for them, too! Hold on. We know they left the city. You won't have much luck finding them if you're not familiar with the area. Let us locals handle this. We'll find them. Just promise me you'll wait here until we do. Very well. Okay. This is taking much too long. You don't think that Alvin turned on us? How could I have let Elise leave her seat like that? If I had just noticed sooner. It's not your fault, Leia. But... We found their trail. Where does it lead? We were too careless. They've gone into the royal hunting grounds. Where is it? It's a forest near the city that kings have used as their private hunting grounds for generations. It's a sprawling, primeval place. The Katarl clan looks after it. Thank you, Jürgen. The hunting grounds teem with dangerous monsters. Please be extra careful. Ok, donc on va se diriger. Rendez-vous au terrain de chasse royal. Ok, ok. Je crois savoir aussi. Non, 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 non. Je vais juste regarder vite fait. Les heures de liège, j'en ai combien? Je vais juste regarder combien j'en ai. 4. Bon, 4, on va augmenter. On va finir. Alors. On va vérifier. Hein. Et voilà, comme ça, on pourra augmenter une attaque de Mila. On va s'agrandir. Donc à partir de là, je vous dis clairement, plein de choses vont changer à partir de ce passage-là. Ça me fait un peu mal que d'ailleurs ça change comme ça, mais bon, bah, il n'y a pas trop le choix, donc... Hop, là aussi, on gagne une arme de vieillesse en plus. Bon, je le fais un petit peu vite fait, je sais, je devrais le faire en caméra, mais j'ai envie de vous montrer quand même... Ça fait partie du jeu, donc du coup, le but, c'est de vous montrer quand même un petit peu tout ça, donc... J'ai plus pour son agilité. Bon, on va augmenter. Et voilà. Et elle a la 4 aussi. On va augmenter ça. Ok, bah voilà, je augmente une arme de liaison, du coup je vais augmenter son agilité un petit peu, moi sa dextérité plutôt. Désolé, j'ai bougé mon casque. Sa dextérité, je crois que c'est ici. Sa agilité, mais je vais quand même l'augmenter, c'est très bien aussi. Donc voilà, on est prêt à y aller. Normalement, pourquoi il me dit orbe de liaison? Qui en a un trou? Ah, lui. Bon, on va augmenter là-dedans. Voilà, ça devrait plus être éclairé.
Donc on va se diriger vers le village où on doit aller. Le terrain de chasse royale, je crois que c'est par ici qu'il faut passer. Donc là c'est des personnes à qui parler seulement, ils nous attaquent pas, ils nous attaquent pas. Pour le moment ça va, on est assez safe, mais après je vais éviter les monstres de ce combat là, parce que je pense que dans le tournoi on a bien combattu des monstres. Je veux aussi un petit peu avancer dans l'histoire, parce que j'ai l'impression de stagner un petit peu. Je sais pas, on a combien d'heures de jeu, attendez. On est à 9 heures de jeu quasiment, donc à 9 heures de jeu je crois que j'étais arrivé à ce stade. Je crois. Bon, à partir de là, je vais sauvegarder encore une fois. Je sauvegarde assez régulièrement parce que je ne tiens pas à me taper un game over et tout recommencer. Je vous le dis honnêtement. Parfois, c'est pas bon de faire ça parce que si on enregistre et si l'enregistrement foire, c'est assez bizarre. Ah, le terrain de la chasse royale. Ah, ça doit pas être ici alors. Ça doit être de l'autre côté. Bon, je vais sauvegarder de l'autre côté alors. Donc le mieux de 21 minutes. Donc c'est pas par ici. C'est peut-être plus tard qu'on va passer par là. C'est peut-être beaucoup plus tard. Ah, je sais où est le terrain de chasse royale. Aïe, je crois savoir. J'ai une révélation là, soudain. Soudainement, j'ai eu une révélation. C'était le bateau que je vous ai dit. Le bateau qui est là-bas, là. Je crois que c'est celui-là. Oui. Attendez. Je suis pas sûr en fait. Je ne suis pas sûr, mais je vais me diriger, on verra bien si c'est par là ou pas. Mais je crois. Ou de l'autre côté peut-être. Mais il y a quelqu'un là. Oui, c'est là, c'est exactement. Oh là, le bug. Le bug qui s'est passé. C'est énorme. Vous n'avez rien vu du tout de ce bug. Donc voilà, alors c'est ici. Voulez-vous descendre vers la moulière? La moulière? La moulière. Peut-être vers le terrain de chasse. Alors c'est peut-être plutôt plus au fond alors. Je vais voir, hein, mais je suis pas sûr du tout. Aïe. Au pire, de toute façon, vous verrez ce terrain. Donc ce terrain-là, c'est pour expérimenter un petit peu. Si vous voulez, vous expérimentez pas mal. Moi, vous level up assez vite dans cette zone-là, normalement. Bon, je sais que j'avais fait mon entraînement ici avant le tournoi. Je me rappelle. C'est pour ça que j'ai pas eu trop de difficultés pour le tournoi, parce que je devais découvrir le jeu. Donc du coup, je me dis, oh tiens, c'est quoi cette zone-là? Et je voulais visiter, et à chaque fois, il y avait un monstre qui popait devant moi. Ça doit être ici, hein, c'est pas... Je vois que ça, je vois qu'ici. Hein. Bon, après, je me trompe peut-être, hein, mais bon. Je vois que ce terrain, là, ou l'autre côté, mais je vois que ça. Après, reste à savoir si c'est là ou pas. J'ai des vagues souvenirs de ce passage-là. Je sais qu'à un moment, là où j'étais tout à l'heure, il fallait y aller. Je m'en souviens de ça, mais après, ce passage-là, je m'en souviens brièvement. C'est après celui-là que je m'en souviens, principalement. Est-ce que c'est par là ou pas? Je sais plus du tout. On va aller voir, de toute façon j'ai rien à perdre, hein. De toute façon ça vous fait découvrir le jeu, et puis je pense que si j'ai pas trouvé d'ici là, je vous laisserai, hein. Et puis en même temps je vous ai fait un petit peu découvrir. Ah, c'est vrai qu'il faut que je sois... Ah non, on va l'éviter lui. On va aller là-bas alors du coup. On va éviter les monstres, j'ai pas envie de me battre, surtout si je trouve pas le chemin. C'est embêtant de battre et de perdre des points de vie pour pas grand chose, on va dire. Bon, ça fait XP, hein, j'ai pas le contraire, mais... Oh, on rejoint Niagara. Village des esprits. Ah, on rejoint le village des esprits. Ah, d'accord. Bon, c'était pas par là. Non. Mais au moins, on sait qu'on... Trouver le terrain de chasse royale. Mais je me souviens plus. Est-ce que c'est là? Non, je crois pas que c'est Niagara, village des esprits. J'en ai plus... pas le souvenir.
honnêtement. Bon, je sais, il y a des trucs à découvrir, mais j'ai pas la foi de les découvrir là. Je vous dis, je ferai. Oh, par contre, ça c'est important. Voilà, j'ai reçu un museau. C'est un déguisement, si vous préférez. Qu'on peut mettre à Mila ou n'importe quel perso. Donc, ça c'est important de découvrir parce que c'est marrant d'avoir plein de cosplay, etc. Même si personnellement je l'aimais pas parce que j'aime bien voir la cinématique originale du jeu. C'est ce que je préfère, donc du coup je l'aimais très peu. Bon, quand je vois sur mon terrain, sur mon chemin et qu'il n'y a pas de bestioles, je prends, mais si je vois qu'il y a des bestioles, je prends pas. Hein. Je dis clairement, je prends pas. Ça doit pas être ici le terrain de chasse alors? Je vois pas où est-ce que ça peut être. Peut-être c'était par là, hein. Après je sais pas, mais je vous dis honnêtement, j'ai plus grand souvenir de ce jeu. De ce passage plutôt. Ce jeu n'importe quoi. Parce que ce passage là, ça remonte à longtemps quand je l'ai fait, donc du coup je suis un peu paumé. Bon, on arrive bientôt au point de sauvegarde. Mais on peut bien XP ici, hein. On peut XP tranquillou, donc les monstres, ça va, sont pas trop d'une grosse difficulté, je vous dis honnêtement. Il y a toutes sortes de monstres, donc vraiment, c'est plaisant, c'est une zone sympa à découvrir, à faire. Donc, je ferai peut-être lors d'une vidéo blabla, parce que j'aime bien faire des vidéos blabla, juste pour discuter, etc. Donc, peut-être je ferai cette zone-là dans une vidéo blabla. Mais avant ça, j'attends d'avoir quelque chose de spécial qui permettra de tout simplement de revenir à cette zone. Je vous en dis pas plus. Là, il n'y a pas de monstre, du coup, je vais prendre le coffre. S'il veut bien. Ah, c'est vrai que c'est pas comme dans Zelda. Dans Zelda que j'ai joué récemment, on peut ouvrir le coffre de n'importe quel sens, ça le dérange pas du tout. Du coup, c'est pour ça. Bon, on va revenir, hein. Bah oui, je vois que ça. Ça se trouve, c'était par là et je me suis trompé. Je vais aller voir si c'est pas par l'autre côté. Vous savez, par là de l'entrée où on est arrivé. Je vais aller voir, sinon, bah je vais tenter là. Puis finalement, ça sera là. Il y aura pas grand avancement dans l'histoire. C'est vrai, je dois l'admettre. Je pense que je vais faire c'est non bah non en fait enfin, je vais vraiment faire le je pense que le 13e vous l'aurez en post commentaire. Je sais pas encore, j'ai pas encore tout à fait fait le montage, mais je pense que vous l'aurez en post commentaire parce que vous entendrez un écho horrible sinon j'ai pas envie de vous fournir n'importe quoi non plus. Je vais vraiment faire attention au contenu sur ma chaîne, surtout que vous êtes de plus en plus nombreux, donc nombreux et nombreuses, parce qu'il y a aussi des filles. Alors on va regarder s'il y a quelque chose qui nous indique le chemin. Havre de Bucard. Non, retourne au Havre. Donc le terrain de chasse royale, ça devait être là-bas. Hein. Moi, je vois que là-bas. Alors peut-être on va retourner vite fait là-bas. On tourne en rond. On est à 28 minutes. On tourne en rond. Et en même temps, je profite pour blablater un petit peu avec vous. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu dommage, mais compréhensible en même temps, que vous êtes peu nombreux à suivre ce let's play. Je le comprends parce que ça dure très longtemps, mais comme m'a dit Pilrox, si je ne fais pas des vidéos de 40 minutes, le let's play pourrait durer un an ou deux ans même. Alors du coup, pour cette raison là alors qu'est-ce qui me... Bon, ça devait être par là-bas. Bon, écoutez, on va plutôt se laisser là, elle sera très courte cette vidéo là. On va se laisser là parce qu'on tournait en rond depuis un bon moment. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, même si là on a pas mal tourné en rond, je vais vraiment chercher de mon côté. Donc du coup, prochain épisode, on se retrouvera au terrain de chasse royale. Je vais en même temps faire un petit peu, je profite un petit peu pour faire du level up dans la zone là-bas. Pourquoi pas faire une petite vidéo blabla, je verrai ou pas, ça dépend vraiment de mon envie sur le moment. Et puis je vous remercie énormément d'avoir regardé cet épisode. Je m'excuse encore pour le dernier s'il a pas été terrible, ni celui-ci. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois, ça c'est sûr, je vais faire tout mon maximum pour la prochaine fois. Et puis encore un merci, n'hésitez pas à me dire ce qui va et ce qui va pas durant l'épisode. Je tâcherai de les améliorer par la suite. Allez, sur ce, à la prochaine et à bientôt pour le 14e épisode. Allez, bye.
le 15e épisode, plutôt. Allez, tchuss.